Un deuxième exemple rapide pour écrire un nombre en écriture scientifique. 780 300. Donc c'est 780 300,0. Les virgules est ici. Je la décale de 1, 2, 3, 4, 5 rangs pour avoir un seul chiffre devant la virgule. Comme j'ai décalé de 5 rangs vers la gauche, c'est-à-dire les nombres négatifs, pour compenser, la puissance, elle, sera positive. Donc j'écris x 10 exposant 5 et voilà, c'est fini. Alors un peu plus dans le détail. Voilà, la virgule se trouve à droite. Je la décale de 5 rangs vers la gauche pour avoir un seul chiffre devant la virgule. 5 rangs vers la gauche, c'est-à-dire vers les nombres négatifs. Et je vais donc écrire x 10 exposant plus 5, un nombre positif, pour compenser. On remarquera ici que l'écriture scientifique est plus longue que l'écriture de base. Donc c'est pas top. Des fois, on vous demande de faire ce type d'exercice. Évidemment, l'écriture scientifique, comme on l'a dit dès le départ, c'est pour des nombres qui sont très très longs à écrire et pas des nombres qui ne concernent que 6 chiffres.